Ok, je suis arrivé au bon port, je pense. Je peux enlever le portail. Ok, c'est ici que j'ai senti la pierre du pouvoir. Intéressant. L'équipe a vraiment besoin de cette pierre le plus vite possible. Ah, va falloir que je me dépêche, on va dire ça comme ça. Il n'y a qu'une possibilité pour que je récupère la pierre sans qu'il n'y ait aucune personne blessée. Bon, on va faire cette possibilité, hein. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Allez, c'est parti, hein. Ah, c'est lui que je dois voir. Vous allez m'écouter. Oui, vous allez m'écouter. Ok, taisez-vous, dans 5 minutes, 4 de ce que vous appelez des SCP vont se déconfiner. Vous allez envoyer des équipes d'UT, mais ils vont tous mourir, donc ne les envoyez pas. Ils vont prendre toute la HCZ, mais ne plus bouger à partir de HCZ. Vous allez devoir attendre 15 minutes avant de pouvoir intervenir. Compris ? Faut répéter juste la fin un petit peu. Je n'ai plus le temps. Je vais devoir y aller. Bonne chance. Ok. Il doit se débrouiller tout seul, je ne peux pas l'aider. Hein. Ils sont où vous utez, bordel, ils sont PDG, je crois, il y a une PO. On va dire que j'ai rien vu, chercher un... Oh là là. Ah là là, quelle belle journée. Je me demande ce qui se passe bien dans la fondation, je viens de prendre ma prise de service. Pardon, pardon, pardon. Bonjour, commandant. Bonjour, bonjour, pardon. Dépêchez-vous. De quoi c'est le bordel, qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus, là, de la prise d'otage. Ah, il y a une prise d'otage, bah je vais m'en charger, bougez pas, vous en faites pas, je suis un professionnel. Alors, je prends ma prise de service et il y a une prise d'otage, c'est quoi ce délire? Bonjour, je vous expliquer vite fait, on s'en fout de la prise d'otage. Mais vous êtes qui vous? Je vais expliquer vite fait à votre lieutenant. Votre matricule. Je suis le chercheur Vincent, monsieur. Et qu'est-ce que vous me voulez, monsieur le chercheur Vincent? On s'en fout un peu. Il y a quelqu'un qui est venu, comme un peu une apparition mystique, il m'a dit dans 5 minutes il allait avoir 4 SCP déconfinés, voyez-vous. Que vous avez consommé de la drogue. Est-ce qu'il a consommé de la drogue? Alors, non, oui, mais j'étais au confort avec lui. Ça, il avait une sorte de Superman. Bah, c'est pour ça que j'étais au confinement armé. Il a un portail interdimensionnel. Il y avait une barbe, une moustache, je sais pas. Oh, vous. Je vais vraiment demander à ce que ma procédure GoPro soit mise en place là, comme ça au moins je peux tout voir. Ok, ok, tout le monde, tous les UT, au quartier, au QS. Mais non, mais au checkpoint. Pour l'instant, vous m'écoutez. Pour l'instant, les UT m'ont écouté. Il a dit que c'était dans combien de temps? Dans 5 minutes. D'accord, ça fait combien de temps? 2 minutes là que c'est passé? Bon, c'est bon, il reste 3 minutes. On a le temps. Tous les UT au QS. Allez, mettez. Mettez toutes les personnes au bunker là, on va prendre on va voir, même si c'est pas grave, même si c'est faux, on va faire en sorte que tout le monde survive. Tout le monde, tout le personnel non armé au bunker là, allez. Vous m'écoutez maintenant, allez au QS, et toutes les personnes non armées au QS, au bunker, allez tout de suite là. Ok, j'ai comme l'impression que les membres de la sécurité m'ont écouté, ça c'est une très bonne chose. C'est à moi de retenir les SCP qui vont se déconfiner, c'est-à-dire... Eh ben... Bonjour. Oh, où est votre supérieur? Dépêchez-vous, je n'ai pas que ça à faire. Je ne suis pas Superman. Tout le monde se tait maintenant et vous m'écoutez. Je vais distraire SCP-096. Occupez-vous de SCP-106 et de SCP-049. Et de 079. Dans 3 minutes, vous pourrez partir d'ici pour aller en HCZ. Compris? 3 minutes. Ok, je dois m'occuper de 096. J'espère qu'il va venir. Bonjour, je te regarde, suis-moi. Ok, si j'ai bien compris, lui il va me suivre et il va me courir d'après. Waouh. Va falloir que je cours vite. Bonjour monsieur. J'attends juste que le monsieur vienne et après le portail partira. C'est normal. Bon courage à vous, je vais continuer ma vie. Oui, continuez votre vie, ouais. Ça va être compliqué déjà la mienne. Oh putain! Allez messieurs, on se bouge le cul, on reconfine les SCP. Allez, go, 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 096 et out. Le monsieur qui me l'a dit, monsieur qui est venu me l'a dit. Allez messieurs, on y va. Faites gaffe, il y a 106 de déconf, 049 de déconf encore. Et 076, vous séparez-vous en groupe. 096 et out pour le moment. Ouais, 049 et déconf, faites gaffe. Ok, RAS ici, on revient, UT, RAS, RAS ici. Je ne sais pas où il est. On va s'occuper de 076, nous, on s'occupe de 076, on s'occupe de 076. Oh, 076. Sergent. Oui, oui, c'est vrai. Un valeureux combattant voudrait vous défier. Allez-y, voilà, l'UT en question ici va vous proposer le duel. Allez-y, UT. IA, t'es où? Ok, fémur breaker activé, déjà 106 et out. Ah, c'est déjà ça. Ok, on va suivre 016. Il faudra reconfiner 096 après. Hein. IA, où elle est l'IA? Appelez l'IA. Ferme les portes. Il y a l'UT qui s'est sacrifié. Ferme les portes.
Il reste 0,96 à Ronconf, mais je ne sais pas où il est. Faut trouver au grand monsieur qui vole là. Écoutez-moi, vous, tout le monde se tait. 106 a été reconfiné. Il est où? Il reste 0,49, il est où? 0,49 reconfiné, il reste 100. Ok, d'accord. Il faut trouver 0,96. Je ne sais pas où il est. Ok, attendez. Faut appeler le grand Manitou là, ou alors il va venir à nous, j'en ai aucune idée, je reviens. Ok. Bon, vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est très simple, vous allez m'écouter. C'est ici que j'ai rencontré SCP-096. Actuellement, il est... Je crois qu'il est dans l'Himalaya là, je ne suis pas vraiment sûr. Il va arriver d'ici quelques minutes. Je vais remonter le temps jusqu'à temps que je l'ai rencontré, au moment où même où je l'ai rencontré, c'est-à-dire ici, d'accord? Je viendrai vous chercher pour vous dire de venir ici, compris? C'est un peu bizarre, c'est un peu son gros nu, mais... Allez, je remonte le temps. Ok, les UT ont dû réussir. J'ai remonté le temps, je vais aller les voir. Enlever mon portail. 0,96 devrait être à côté. Bonjour messieurs, et il reste plus que 0,96 à reconfiner. Il est actuellement à côté de SCP-029. Au revoir. Hop, en attendant, on reconfine les autres SCP. Ça, c'est parfait. SCP-049 aussi reconfiné. J'espère qu'ils s'en sortent, les UT. Et voilà, SCP-106 reconfiné. En attendant, je peux aller prendre la pierre de pouvoir qui est techniquement ici. Effectivement, elle est là. Vite, je dois me dépêcher. Il n'y a plus de problème au site. Vite. Allez, on retourne dehors. Ok, portail est bon. J'ai la pierre dans ma poche. La mission ici est effectuée. C'est vraiment pratique de voir l'avenir quand même. Ok, tout le monde est là. Ok, on se tait s'il vous plaît. Ok, oui. Donc, le monsieur avec sa cape toute rouge qui est venu avait raison. Il y a eu un dysfonctionnement au niveau de 4 portes de SCP. Donc c'est-à-dire SCP-096, 106, 076 et 049. On a réussi à les reconfiner avec succès grâce à son aide. D'ailleurs c'est très bizarre vu qu'il a pu voir l'avenir entre guillemets. Mais enfin bref. Félicitations à tout le monde. Et s'il revient... Allez, on applaudit. Oh attendez, j'ai pas fini. S'il revient, lui tirez pas dessus. Hein. Cas où hein. Enfin bref, félicitations tout le monde. Et puis voilà. Hein. Je vais vous laisser, je vais prendre ma fin de service. Ok les gens, petit message important avant que la vidéo se termine. Déjà j'espère que vous avez apprécié la vidéo, hein. Un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. C'était vous parler de 2-3 trucs importants. Hein. Bah, je trouve ça important. La saison 2 de SCP Craft s'est terminée il y a quelques jours déjà, oui. Et je voulais parler de la saison 3, parce que beaucoup me le demandent. Et vu que les vidéos SCP Gmod sont les plus vues, je vais en parler dans une vidéo SCP Gmod quoi. La saison 3 arrivera pendant les vacances d'été 2019, donc c'est-à-dire d'ici un mois. Sauf que vu que je ne sais pas quand est-ce que c'est réellement les vacances, j'aimerais que vous me le dites dans les commentaires, c'est quand vos vacances à vous là. Les vacances officielles, c'est le 4 juillet, mais bon, les gens, moi par exemple, quand j'étais encore en cours, je terminais bien plus tôt. Moi dans les commentaires, c'est quand vos vacances. De plus, parce que c'est pas encore terminé, je reprends les vidéos Star Wars RP à l'époque, là j'ai appelé ça, je reprends les vidéos Star Wars. Le lendemain de la sortie de cette vidéo, donc dimanche 26, sortira la première vidéo de la reprise des vidéos Star Wars. Et ça arrivera tous les deux jours normalement une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, allez dans la description. Il y a une petite playlist avec toutes les vidéos que j'ai faites dessus. C'est en gros du Star Wars scénarisé, c'est stylé, moi j'aime bien. Si Star Wars vous plaît, l'univers Star Wars vous plaît, vous pouvez aller voir, c'est franchement cool. Si vous n'avez pas compris la vidéo, parce que oui, le scénario est un peu compliqué à comprendre je pense, Doctor Strange a utilisé ses pouvoirs de remonter dans le temps pour savoir comment reconfiner les SCP, parce qu'à la base il ne les connaissait pas. Comme ça les UT ont pu s'occuper de 0,96 et Doctor Strange a pu s'occuper de tous les autres SCP. C'est au cas où, hein, c'est si vous n'avez pas compris l'histoire, parce que moi, même quand j'ai fait le montage, je me suis dit, ah ouais, ils vont peut-être pas comprendre pourquoi il a remonté le temps, tu vois. Donc les gens, merci d'avoir écouté ce message extrêmement important, ou très important, je sais pas, ce message important. C'est Injax, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, ciao les gens.